Monsieur Détection, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc toujours dans le même coin. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier tous mes abonnés, car j'ai fait carrément une montée d'abonnés en quelques semaines. Je suis passé de 40 à 83. J'ai jamais fait ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Les commentaires, le soutien, les pouces bleus. En tout cas, c'est vraiment sympa. Ici, dans ce petit trou là, c'est mon premier trou. Et un bouton. On commence par un petit bouton. On voit bien l'attache. Petite attache. Alors, c'est vraiment tout petit, hein. J'ai jamais vu ce genre de bouton. Voilà, un petit bouton sympathique. Voilà, bon bah, je vais continuer dans ce coin-là et je vous reprends quand j'ai une autre trouvaille. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc j'étais tout au fond là-haut et j'ai fait une bonne centaine de mètres. Il y a le soleil qui commence à se coucher un peu. Voilà. Et juste là, dans ce petit trou, une pièce. Et je l'ai mise ici même. Voilà. Une pièce ouille. Bon, ça vaut. Elle est ça vaut. Bon, on regardera. Je mettrai une petite photo juste en haut là. Après l'analyse. Pour voir si on voit ou pas quelque chose. Ah bah c'est sympa. Hop, je la pose là. Et bah je vais continuer dans ce sens. Parce que je vois qu'il y a une belle petite montée. Je pense que vu que c'était en pente, les gens ont dû faire tomber pas mal de choses. On peut voir. Ouais bon, on va continuer. Voilà tout, allez, à tout à l'heure. Voilà les amis, bon bah là il est en train de neiger ou je sais pas, des giboulées ou j'en sais rien. Il y a plein de petits glaçons qui tombent. Et juste là dans ce petit trou, alors je vais avoir besoin de votre aide dans les commentaires pour savoir ce que c'est. Donc c'est ça, ce petit objet. Ça a deux trous. Ça ressemble à une petite fleur, on dirait. Une fleur ou je sais pas. On dirait un arbre. Voilà, je sais pas du tout. C'était. Le son était pas très très bon. Je vais vous faire voir. Ça sonnait pas très 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 bien. Ça sonnait un peu grave et après aigu. Ou alors il y a un autre ferreux dedans, je vais regarder. On va voir ça tout de suite. Parce que il y a 2 minutes, ça faisait un son pas très beau. Ouais, à mon avis, il y a un autre petit ferreux à côté, mais. Je vais voir ce que c'est. Pas besoin que je vais pas le filmer, il n'y a pas besoin. Je rallume que si c'est bon, si c'est bien. Donc bah voilà, bah. Une petite trouvaille sympathique. Nickel. Dites-le moi dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir parce que ça,
On voit pas tous les jours. Voilà. Allez, je continue. A tout de suite. Yo les amis, c'est encore moi. Alors juste dans ce trou là, ici, j'ai eu un bon son. Alors on va le voir en direct. Je repasse mon détecteur pour que vous puissiez voir. Donc ça sonne bien quand même. Et donc on va découvrir ensemble ce que j'ai trouvé. Alors. C'est là-dedans. Oh, une caisse. Qu'est-ce que c'est? Ça m'a l'air une pièce que je ne connais pas. Je crois que je la connais pas celle-là. Je pense, vous savez, c'est les sortes de pièces. Enfin, c'est une pièce en alu déjà. C'est une pièce en alu. Mais je sais pas si vous savez les pièces allemandes. Avec l'aigle. Voilà. Allez, je continue. À tout à l'heure. Les amis, magnifique coucher de soleil. Il est 17h passé. J'ai pas tardé à rentrer. Donc ça fait au moins 1h30 que je suis parti de là pour revenir ici. Je sais, j'ai mis du temps, mais avec tous les ferreux, c'est abusé tout ce qu'il y a. Là j'ai fait un bon son, mais c'était un petit clou. Après j'ai rebouché. Et bah je continue ma lancée, hein. Je fais quoi, 2-3 mètres. Et juste là, bah dans ce petit trou, une pièce. Voilà, voilà. Ici. Voilà une petite piéceouille. Je sais pas si on va en tirer grand chose, mais bon. C'est une pièce. On va voir un peu en frottant si on peut avoir quelque chose. Rien du tout. Bon, je pense que c'est savot, hein. Savot. Hein. Ah non, elle est cramée. C'est vrai que sur ces terrains-là, je ressors pas trop de bonnes trouvailles en parfait état. Parce que je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi, avec l'acidité du sol peut-être. Je sais pas du tout. Bon bah, je vais continuer à grimper dans le sens. Je vais faire le long des arbres là, ça peut être intéressant. La dernière fois là-bas, j'avais fait une petite loulouine Emmanuel, juste à côté. Je vais aller jeter un petit coup d'œil parce que la dernière fois, j'étais avec le ACE150. Peut-être qu'avec le 400i, il pourra peut-être mieux capter. On va voir ça. Allez, je monte jusqu'en haut et je vous fais voir le magnifique coucher de soleil. A tout à l'heure. Voilà les amis. J'ai creusé dans ce petit trou là. Et une petite boucle, je pense. Une petite boucle. Sympa. On voit bien l'ancienne... comment on appelle ça? Une ancienne attache. Juste en dessous. Voilà, petite boucle. Allez, je continue. A tout à l'heure. Bon bah voilà les amis, je suis sur le chemin du retour. Il fait nuit. C'est bizarre, sur le téléphone ça fait plus clair. Mais je vous garantis qu'il fait nuit. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai pas pu filmer le coucher de soleil parce que il était trop rapide. J'ai eu quelques trous juste avant. Voilà, sinon le long des arbres. Bah j'ai rien trouvé de spécial. Juste là-bas, un tout petit peu plus loin, là, après le champ semé, dans le champ labouré là-haut, j'ai trouvé un morceau de gros lot que je vous ferai voir lors du bilan. Voilà. À plusieurs reprises dans ce champ,
j'ai sursauté. Il y a un lièvre qui est passé devant moi. Quand je suis arrivé, il était là. Et quand je suis reparti, il était là aussi. Il m'a fait peur deux fois. Voilà, voilà. Donc là, il fait bientôt nuit. Je vais rentrer chez moi. Allez, on se retrouve pour le bilan. À tout à l'heure. Voilà les amis, de retour chez moi. Donc je vous fais voir mes trouvailles de l'après-midi. Donc je n'ai pas filmé ces deux trouvailles parce que c'est inutile quoi. Là c'est un morceau de gros lot. Et ça c'est un vieux plomb. Mais je sais pas ce que c'est comme plomb, c'est bizarre. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait quelques petites recherches. Notamment sur ce petit objet. C'est une attache de colle. Je vous mets une photo juste ci-dessus. Voilà. Une attache de colle, ça rattachait les vêtements au niveau du cou, je pense. Voilà pour cet objet-là. Ensuite, en frottant bien, c'est pas une pièce allemande. C'était bien un franc à la hache. Voilà, un petit franc à la hache. Bon, j'ai pas encore nettoyé, mais à chaque fois, je vous mettrai des photos de fin de nettoyage. Pour que ce soit plus visible pour vous. Voilà, donc ensuite, cette trouvaille, je pense à un jeton. Parce que quand je le fais tomber, normalement, ça fait des bruits de pièces, mais là, ça sonne, ça fait comme du papier, c'est bizarre. Bon, je pense à un petit jeton. Je vous mettrai une photo. Ou j'en mettrai une dans la vidéo, pendant la vidéo. Hop, après, je pense une petite piécouille. Ça vaut. Sans plus. Voilà, petite piécouille, ça fait 3 pièces. Une petite boucle de ceinture. Celle-ci, elle n'est pas en bronze, comme on peut les voir à chaque fois. Elle est bien rouillée. Voilà, il faut le dire, elle est bien rouillée. Voilà. Petite boucle de ceinture. Je pense qu'il y avait le petit attache là. Voilà. Ma première trouvaille que j'ai filmée tout à l'heure, un bouton. Voilà, un petit bouton. Un petit bouton. Nickel. Ah, voilà mes trouvailles. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais essayer d'en faire de plus en plus pour éviter que ma chaîne elle cède quoi. Pour éviter que les gens se désabonnent parce que si je fais pas de vidéo pendant longtemps, ça va les inquiéter. Donc je vais essayer de faire des vidéos peut-être une fois toutes les semaines, toutes les deux semaines. Vous inquiétez pas, ça sera des petites vidéos comme ça. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'était Mso Détection. Allez, à plus les amis, tchuss.